coopératives, c'est l'union de producteurs qui se sont réunis pour créer un outil qui leur permettra d'investir en commun, capable de travailler la production en ce qui nous concerne la pomme, donc la stocker, la conditionner et la vendre en commun, accéder au marché, au grand marché, chose qu'un producteur individuel ne peut pas faire. Et puis bien sûr, de ce fait, apporter des services techniques aux producteurs pour améliorer la production, pour investir dans les vergers, tous les outils qui lui permettront d'améliorer son exploitation. Notre produit, la pomme, bénéficie d'un signe officiel de qualité et de ce fait, elle exige une traçabilité sans faille d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc pour ça, le deuxième point, c'est qu'il faut avoir un personnel qui soit formé à assumer cette traçabilité jusqu'au bout de la chaîne. D'autant plus que, du fait que nous sommes très nombreux en producteurs, chaque lot étant identifié à part, il doit être bien suivi. Donc ça nécessite un travail très rigoureux. Pour y arriver, il faut avoir un personnel qui soit formé. Évidemment, dans tout le personnel que l'on a, beaucoup ont quitté l'école beaucoup trop tôt et n'ont pas forcément acquis les capacités à réaliser ce type de travail. Une formation MSF n'est pas un cours magistral, dans la mesure où on peut s'appuyer sur les différences qu'ont chaque salarié, donc chaque formé, le niveau, des niveaux différents, et on peut s'appuyer sur ce qu'elles connaissent déjà. L'intérêt, c'est d'apprendre à travailler en groupe, à deux, avec une autre personne qui peut des fois avoir une autre façon de penser ou de travailler, de s'organiser. Que les personnes qui avancent plus vite puissent aller aider celles, effectivement, qui avancent moins vite. Je leur pose des questions sur le thème principal que l'on va traiter. Elles me disent pour elles ce que ça représente, ce que c'est. Et ensuite, effectivement, on va enchaîner les exercices. Ça fait partie aussi des stratégies qui permettent ensemble d'avoir une cohésion de groupe et de mieux apprendre. On est en train de calibrer de la pomme bio. Donc je fais débarquer 4 fruits, un plateau de jaune et un plateau de vert. Parce qu'il faut différencier les couleurs pour que les plateaux soient homogènes. Donc il faut qu'on fasse des barquettes qui soient jolies à l'aspect. Donc je mets que la catégorie 1 et 1 bis. Et à côté, j'ai ma caisse où je mettrai des pommes qui ne sont vraiment pas belles. La formation MSF, elle a été communiquée auparavant par un groupe qui a suivi cette formation, qui était très content. On a de plus en plus d'enregistrements papier où on se rendait compte qu'on avait un petit peu des erreurs d'enregistrement, des erreurs de comptage, des erreurs de compréhension entre certains termes techniques. Donc c'était aussi pour pouvoir remettre cette formation aux salariés qui occupaient des postes donc importants pour nous. Au départ, même si moi personnellement, je disais comment on va l'appliquer à l'entreprise. Être en groupe, pouvoir parler, c'est ce que je recherchais. Maintenant, j'ai plus d'assurance quand je fais mon boulot. Je me sens plus efficace. Pourquoi je fais quelque chose? Pourquoi c'est nécessaire, je fais ça? Les contrôleuses qualité, quand elles sont ici au niveau du contrôle, vont se focaliser sur la tâche à accomplir au niveau du produit. On n'écrit plus, mais en même temps, on demande de plus en plus de travaux d'écriture. On a des documents à remplir, donc pour moi, c'était intéressant. On a retravaillé un peu l'orthographe aussi. On n'écrit pas, donc on perd l'orthographe. On a retravaillé des notions mathématiques, qu'on avait vues depuis très longtemps. On savait qu'on allait travailler ensemble. On s'est découvert, on s'est apporté des choses, on connaît des choses, pas forcément les mêmes, mais qui peuvent être profitables pour les unes et pour les autres. Je pense que j'aurais moins peur d'aller peut-être vers des gens que je ne connais pas, tout simplement, parce que j'aurais moins de mal à m'exprimer. Je ne suis pas là simplement pour emballer des pommes, et sans poser de questions, sans savoir pourquoi, comment. J'ai l'impression d'avoir évolué. J'ai l'impression, oui, qu'il y a eu un début, il y a eu une fin, mais il y a eu un pas énorme entre les deux.
le comité de pilotage a suivi donc la formation. On a fait un petit bilan pour avoir le ressenti des salariés, des formateurs, de l'entreprise. Cette formation a été très bien ressentie par les salariés. On sent qu'elles ont pris confiance en elles, qu'elles ont découvert une partie d'entreprise qu'elles ne connaissaient pas. Puisqu'il y a des postes différents, de découvrir que le travail des collègues était différent, les contraintes de chacun, les contraintes de l'entreprise aussi. Ça a changé l'ambiance parce que ça leur a permis d'apprendre des choses entre elles, un échange qui ne se fait pas habituellement. Ça va aider vis-à-vis même des responsables. Ça permet une meilleure organisation puisqu'elles en ont parlé entre elles. Elles ont eu l'échange entre elles justement en formation. Donc ce qui veut dire que sur le plan de travail, ça apporte toujours une efficacité. Cette formation est la bienvenue tout simplement parce qu'elle leur a permis de prendre conscience à la fois de l'importance du travail qu'ils avaient à mener, de leur rôle par rapport à ça, de l'exigence que l'on a par rapport à leur poste de travail très précis. Et ça a été, je crois, très, très bien perçu et très apprécié par tout le monde. Ça leur a permis de se côtoyer entre les différents postes comme ils ne l'avaient jamais fait, de s'ouvrir à l'ensemble de l'entreprise, à mieux comprendre le rôle et les contraintes de l'entreprise. Ça a apporté tout ce qui manquait pour qu'il y ait cette fluidité dans l'entreprise, entre les relations du personnel de tout niveau. Voilà, c'est pour ça que je parle de positivité.